Coucou et bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc on se retrouve, on est déjà mardi 5 octobre, il est 1h19 de l'après-midi. Je suis actuellement en train de manger tranquillou et du coup je me suis dit que j'allais vous reprendre un petit peu. Parce que hier, j'ai dessiné un petit peu, j'ai enfin fait ma page de bullet journal et j'en suis assez contente. Donc du coup je vais pouvoir vous le montrer. Ça donne un truc comme ça et j'aime vraiment beaucoup avec mon petit lapin sorcier comme dit ma soeur. J'aime vraiment beaucoup le rendu, c'est fait à l'aquarelle et j'aime vraiment vraiment beaucoup. Je suis assez contente, j'ai réussi à faire un truc assez similaire en fait à ce que j'avais en tête, donc je suis assez contente de ça. J'ai également du coup avancé pas mal même dans, comment ça s'appelle, dans Les Joies d'en bas de Nina Brochmann et Hélène Stockendal à la maison d'édition Actes Sud. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'auraient pas vu mes vlogs d'avant, c'est en fait un livre, un essai scientifique sur le sexe féminin. Donc ça aborde la contraception, ça aborde les premières fois, ça aborde le sexe, ça aborde le sexe en lui-même, enfin genre comment dire, genre la vulve, le vagin, etc. Ça aborde les règles, enfin ça aborde vraiment beaucoup beaucoup de sujets qui sont du coup super intéressants. Mine de rien, on apprend quelques petits trucs, hein. J'ai surligné quelques petits trucs parce qu'en plus ça apporte avec beaucoup 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 d'humour. Et j'aime vraiment beaucoup, il me reste une soixantaine de pages je crois, un petit peu plus. Et il me tarde de le finir, je pense que je le finirai ce soir. Et j'aurais appris mais vraiment beaucoup de choses, j'ai mis plein de petits marque-pages sur l'e-pub et je le prendrai peut-être en physique un de ces jours. Parce que c'est vraiment plutôt bien expliqué et ça aborde vraiment plein plein de sujets de façon très, très factuelle en fait. Ça apporte absolument aucun jugement et juste ça renseigne. Voilà, leur but c'est vraiment juste d'apporter la connaissance, d'apporter le savoir aux jeunes femmes ou aux femmes tout simplement qui ne seraient pas au courant de telle ou telle chose pour éviter d'avoir peur, pour éviter de, voilà, pour tout simplement connaître mieux son corps en fait et accepter son corps. Et du coup, je trouve ça... Si j'allumais ça. Ah, coucou. Et du coup, je trouve ça vraiment super cool. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Mais c'est vraiment apporté en plus hyper fluidement. Enfin, c'est un essai scientifique, mais il est apporté vraiment... C'est très, très facile à... C'est très facile d'accès, en fait. Et ça, c'est un élément que j'aime vraiment beaucoup. Une fois que je l'aurai terminé, du coup, je pense lire Cœur en mode on de Hajar Amanzu, comme je vous avais dit normalement, donc à la maison d'édition Relisha. J'ai pas trop envie de relire le résumé avant de me lancer dedans. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a la représentation musulmane et que ça aborde la santé mentale. Voilà, et j'ai pas trop envie d'en savoir beaucoup plus. J'ai oublié le résumé et ça me va très bien comme ça. La couve est absolument à tomber par terre, vraiment. Il me tarde trop 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 de le lire. En plus, la mise en page, voilà, elle est comme ça. Il y a pour les fragments, il y a des petits traits comme ça. Et pour les chapitres normaux, il y a voilà, ce genre de petits visuels. Et j'aime vraiment, vraiment beaucoup. En plus, les numéros de page aussi sont un petit peu décorés. Donc j'aime vraiment beaucoup la mise en page, donc il me tarde trop de le découvrir. Pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs, c'est la bookstagrammeuse Bulle d'encre qui en est l'autrice du coup, Hajar Amanzu. Donc si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à y aller, elle est vachement impliquée forcément dans la protection entre guillemets ou voilà de la communauté musulmane, étant elle-même musulmane. Et si je ne me trompe pas, elle est aussi assez activiste pour que tout le monde en fait, ait accès aux études. Ouais, si je ne me trompe pas, c'est ça son petit combat, on va dire. Donc j'aime vraiment beaucoup son compte. Elle propose des livres vraiment très intéressants. Et celui-là, ben voilà, c'est elle qui l'a écrit. Donc go la soutenir, quoi. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous retrouve un petit peu plus tard. J'aurai fini Les Joies d'en bas. Des bisous. Coucou, alors on se retrouve, on est jeudi 7 octobre, il est 4h28 de l'après-midi. Je vous retrouve parce que du coup j'ai fini de lire Les Joies d'en bas et c'était vraiment super intéressant. Je l'ai fini hier soir ou plutôt ce matin assez tôt, je crois qu'il était minuit et demi, 1h, quelque chose comme ça, parce que j'ai encore mis 30 ans à m'endormir.
J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Voilà, c'est un texte qui permet de vraiment beaucoup apprendre sur le corps de la femme, sur le corps, mais vraiment dans toutes ces facettes, en fait. On a autant, voilà, le côté des règles, les différentes règles qui existent, les différents pubis qui existent également, le problème qui est... Enfin, problème. Le phénomène, on va dire, qu'il y a en ce moment, par exemple, de se faire... chirurgier les lèvres, en fait, du sexe féminin. Mais voilà, elles en parlent de ça aussi, elles disent, en fait, un petit peu leur avis quand même par rapport à ça en tant que étudiante en médecine. Elles abordent également le sujet de la sexualité, le sujet des premières fois, le sujet des douleurs, le sujet de toutes les maladies qu'il peut y avoir, autant les maladies graves comme le cancer. Donc elles abordent tout en relativisant, en insistant sur le fait que voilà, c'est quelque chose de rare, qu'il ne faut pas en avoir peur, que certes, il faut aller se faire un frottis régulièrement, voilà, pour checker, mais il ne faut pas stresser pour ça. Et je trouve que c'est un texte, un livre vraiment très... pas moralisateur du tout, en fait, et j'ai beaucoup, beaucoup aimé cet aspect-là. Le côté scientifique, voilà, est super intéressant également, surtout que je trouve qu'il a apporté avec beaucoup de clarté. Il est vraiment mis à disposition, en fait, pour les personnes qui ne sont pas scientifiques du tout, je trouve. Bon, après, j'ai un petit côté scientifique parce que j'ai quand même fait des licences dans le domaine, donc je ne suis peut-être pas la meilleure juge pour ça, mais je trouve que c'est vraiment plutôt bien abordable. Et voilà, les petites touches d'humour qui, à par-ci par-là, rendent le texte encore plus facile à lire et encore plus abordable. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cet aspect-là également. J'ai peut-être moins aimé quand même la dernière partie sur, ben, justement, sur les maladies. Parce que, ben, de un, ça faisait du coup un petit peu liste, en fait. Puis du coup, il y en a plein que en fait, si on n'est pas concerné, c'est pas qu'on s'y intéresse pas, mais en fait, on retient beaucoup moins de choses, en fait, parce que ça nous concerne pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais par exemple, tout ce qu'il y a avant, c'était, ben voilà, sur les menstruations, sur le sexe, sur les problèmes qu'il peut y avoir, voilà, dans l'utérus ou quoi que ce soit. Et du coup, c'est des choses qui peuvent vraiment toucher absolument toutes les femmes, alors que à la fin, c'était plus des descriptions, en fait, de maladies possibles. Et voilà, donc du coup, je me suis moins sentie concernée et j'ai trouvé ça un petit peu plus redondant, un petit peu quand même, et moins intéressant pour ma part, hein. Mais je pense que ça peut intéresser énormément de monde, bah, déjà toutes les personnes qui sont malheureusement concernées. En plus, de temps en temps, elle donne des petits conseils pour certains trucs, par exemple... y a quoi le premier, par exemple, je me souviens que le premier, c'est des petits conseils pour savoir comment se raser. Là, je trouve que c'est bête, hein, mais je trouve que c'est super bien pensé, en fait, de donner ce genre de conseils, parce que ce qu'on voit sur internet, c'est pas forcément correct. Donc j'ai trouvé ça vraiment, vraiment super bien fait. C'est un très très bon roman, à mon sens, un essai scientifique abordable qui permet de vraiment de connaître plein plein de choses. Chose que d'ailleurs je ne connaissais pas, pas forcément, vous voyez. Donc vraiment trop contente de l'avoir lu. J'ai noté pas mal de trucs d'ailleurs, j'ai pu surligner dans la version e-book. Et du coup, je pense voilà, garder cet e-book autant que possible. du coup, ensuite, vu que j'arrivais pas à dormir, j'ai voulu continuer un petit peu à lire. Mais je voulais pas rallumer la lumière pour commencer Cœur en mode on, qui pourtant me tente, voilà, énormément. Mais le problème, c'est que ma lampe, pour éviter d'allumer la grande lumière, j'ai une lampe. Sauf qu'elle met littéralement 30 ans à s'allumer. Donc du coup, enfin, vraiment s'allumer au point de pouvoir voir, quoi. Et voilà, elle est un petit peu lente à la détente, mademoiselle. J'avais pas, en fait, envie d'attendre que ça finisse par s'allumer réellement. Donc je me suis dit que celui-là, j'allais le commencer un petit peu plus tard. Et en attendant, j'ai lu... me suis dit, du moins, que j'allais lire seulement quelques pages de Amary. De Amary and the Night Brothers. Je crois qu'en français, c'est Amary et le bureau, je sais plus trop quoi, le bureau des choses fantastiques. Ou je ne sais plus exactement le terme, je le mettrai ici si j'y pense. De Bibi Alston. Je le lis en anglais, ça se lit vraiment
super bien. Je m'attendais pas à ça. J'ai voulu voilà le commencer vite fait parce que c'est la lecture commune pour le groupe de lecture Au clair de lune, je crois qu'il s'appelle ce groupe-là. Je mettrai pareil l'image ici ou ici, ça dépendra. On va se décaler par là pour voilà. Donc je le mettrai ici. Donc c'est un groupe qui a créé A Book and a Cup. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, je ne sais plus. Je suis vraiment nulle en prénom, identité et tout ça. Hein. Et une amie, elle, que je ne connais pas. Et en fait, pour ce mois-ci, on doit lire du coup à Marie, que vous voyez ici. Voilà. Donc du coup, j'avais très envie de le faire, sauf que je l'ai trouvé qu'en e-pub en anglais. Donc je me suis dit, vu que c'est un jeunesse, on va tenter. Et écouter le premier chapitre, parce que du coup, au lieu de lire seulement quelques pages, j'ai lu le premier chapitre et ça s'est très très bien passé. J'ai, je pense, tout compris. Donc du coup, je suis vraiment très très contente. Dans cette histoire, on suit une petite fille black qui se fait un petit peu harceler à l'école. Et son frère est porté disparu, donc tout le monde lui dit qu'il est mort, mais elle, elle pense que non. Et du coup, commence une petite enquête, en fait, pour savoir ce qu'est devenu son frère. Et je crois que d'après le résumé, il nous est révélé que le frère, en fait, fait partie d'une sorte de groupe secret. Donc, il me tarde de découvrir tout ça parce que ça m'a l'air vraiment super cool. Donc, à voir par la suite, mais en tout cas, c'est un premier chapitre que j'aime vraiment beaucoup. Par contre, contrairement au groupe, je pense que je vais le lire de mon côté. Voilà, je vais tout lire d'un coup et je verrai après. Enfin, je ne vais pas suivre, en fait, leur découpage. Surprenant parce que j'arrive jamais à m'y tenir et donc voilà, je préfère faire à mon rythme. Et ensuite, je pourrais du coup commencer cœur en mode on et il me tarde vraiment énormément de le lire, donc de Hajar Amanzo. Il me tarde énormément. Je pense que je le commencerai là juste après. Du coup, voilà pour le côté lecture. Du coup, après, concernant le challenge de Build Up, donc Pipstober, pour le moment ça avance plutôt pas mal. J'arrive tous les jours à faire au moins mon petit sketch. Voilà, comme je vous disais, le petit. En fait, c'est un challenge pour ceux qui ne connaissent pas. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans ce vlog-là. C'est un challenge en fait dans lequel elle nous pousse en fait à sortir notre côté créatif. Avec tous les jours, il y a une phrase. Une phrase ou une expression en fait qui est dédiée pour ce jour-là et on doit faire quelque chose de créatif par rapport à cette expression. Par exemple, le 1er octobre, c'était les petits bonheurs de la vie et on devait du coup soit dessiner quelque chose qui représentait les petits bonheurs de la vie pour nous ou faire un TikTok ou faire une petite vidéo sur, comment on appelle ça, une story ou faire, je sais pas, une vidéo sur YouTube ou voilà, enfin plein de choses comme ça. Et moi je m'étais dit que du coup je m'inspirerais de ces thèmes pour faire des vidéos moi, mais plus tard du coup voilà sur la durée, parce que je n'ai absolument pas le temps de monter et tout uploader là ce mois-ci quoi. C'est entre la formation et le fait que j'ai pas la fibre, c'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Mais en plus mais du coup par contre tous les jours, je fais voilà, du coup, un petit sketch du dessin que m'inspire le thème. Et je ferai la partie plus poussée, plus au propre et tout. Quand j'aurai le temps. Voilà, parce que pour le moment, le dessin, c'est pas ma priorité. Et du coup, je vous montrerai à ce moment-là ce que j'ai pu faire. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Moi, je prends beaucoup plaisir en fait à tous les jours réfléchir un petit peu, je passe vraiment pas beaucoup de temps, je passe 5-10 minutes peut-être à réfléchir sur le thème, mais j'aime vraiment beaucoup voilà me poser à la fin de la journée après mes cours et à tout simplement réfléchir à l'inspiration en fait tout simplement, et j'aime vraiment vraiment beaucoup ce petit challenge, même si je triche un petit peu, hein, on est d'accord. Donc du coup voilà. Sur ce, je pense que je vais vous retrouver un petit peu plus tard et en attendant, je vous fais des bisous. Coucou.
vendredi 8 octobre, si je me trompe pas. Il est presque 11h du matin. Donc je vous retrouve en direct de la voiture parce que, ben, comme une fois par mois, on va voir du coup le médecin pour ma sœur. Et du coup, ben, j'attends dans la voiture en attendant. Et bien sûr, j'ai amené de quoi lire. J'ai amené Cœur en mode on de Hajar Manzou et Amari and the Night Brothers de Bibi Allston que j'aimerais poursuivre. Sachant qu'il y a des chances que je finisse Cœur en mode on si le médecin prend son temps comme d'habitude. Prend son temps, ou en même temps, ça dépend du monde qu'il a dedans, parce qu'en général. Bref, je m'éparpille. Parce que je l'ai commencé du coup hier soir et j'en ai lu les deux tiers. J'ai pas réussi à m'arrêter très très facilement. J'ai été totalement embarquée par la plume assez poétique et assez sage, j'ai trouvé, de Hajar Manzou. Il y a beaucoup de citations qui, je pense, voilà, je le relirai et je les noterai quelque part parce qu'elle elle a l'air d'avoir une sagesse assez hallucinante qui me fait beaucoup penser à mon copain d'ailleurs. Ce côté un petit peu poète, que j'aime du coup énormément, comme vous pouvez vous en douter. Et du coup, je me demande si c'est pas lié à l'islam en fait, parce que Hajar Manzou est une musulmane et voilà, ses personnages sont musulmans. Et je trouve que c'est rempli de beauté en fait. Voilà, c'est un roman pas forcément évident à lire parce que ça aborde des sujets assez compliqués. Parce qu'on suit Christopher qui a décidé de mettre son cœur en mode off, c'est-à-dire de tout faire pour ne plus ressentir quoi que ce soit, ni la culpabilité, ni l'amour, ni la joie, ni la tristesse, ni la solitude, rien du tout. Et un jour, il décide de, un petit peu sous un coup de tête, de réappeler Neila, donc une jeune fille avec qui il a grandi, pour essayer d'être heureux et du coup de remettre son cœur en mode on. Et c'est. J'en suis qu'aux deux tiers, voilà, et j'adore déjà. Je pense que ça va être clairement un coup de cœur parce que c'est tellement poignant, mais. Et la plume rend les choses, mais tellement belles. Enfin, c'est vraiment un beau coup de cœur déjà, je pense. Donc, je pense pas que la fin me décevra. Je me laisse mais totalement embarquée en fait par l'histoire. Même s'il ne se passe pas énormément de choses, on se laisse embarquer par les sentiments en fait. Ouais, tout simplement, on se laisse embarquer par les sentiments, par l'histoire, par les deux personnages qui sont un petit peu torturés. Et j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Comme je pouvais m'en douter d'ailleurs, je l'avais dit que je pensais que ça serait une très très bonne lecture, voire un coup de cœur, et c'est pas raté quoi. C'est vraiment trop trop bien. J'adore. On sent vraiment en fait toute la douleur. Toute la douleur et tout l'amour malgré tout qu'il y a entre ces deux personnages. Et c'est fait avec brio, je trouve. Enfin, c'est fait avec douceur, avec bienveillance, avec. J'adore, tout simplement. Tout simplement, c'est. Je vais le continuer là et je vous en reparle du coup un petit peu plus tard. Et sinon, concernant Amari, bah, du coup, j'ai toujours lu. J'ai pas avancé. J'avais prévu d'avancer un petit peu hier, mais en fait, je me suis couchée tellement tard, déjà avancer du coup dans Cœur en mode on que j'ai pas pu avancer dans Amari, mais je vais continuer du coup là et il me tarde également. Sinon du coup une fois que ma soeur reviendra du coup du médecin, on doit aller faire du coup la deuxième partie du vaccin contre le Covid. Et ensuite on va faire quelques courses et entre autres on va passer à l'action parce qu'on a quelques petits trucs à prendre, dont comment on appelle ça? Un ventilo en fait pour mettre sous l'ordi. Parce que quand je fais le montage, mon Mac a un peu de mal à arriver à un moment. Il chauffe trop en fait. Et du coup, il se met à ramer. Donc du coup, voilà, je pensais prendre un petit truc pour le rehausser en fait, pour qu'il puisse mieux respirer et du coup mieux tourner, même si je lui demande de faire des choses un peu
un peu exigeante. Sur ce, ben, je pense que voilà. Après, on rentrera à la maison et je ne sais pas ce qu'on fera. Peut-être qu'on jouera, peut-être que je lirai, peut-être que je ferai les cours. Je ne sais pas encore. Pour le moment, je n'ai pas prévu de faire les cours. Parce que je pense qu'on va rentrer assez tard. Parce que là, du coup, il est déjà 11h. Et le rendez-vous, par exemple, pour le vaccin, il est qu'à 3h. Donc, sachant que la dernière fois, on a attendu une demi-heure, trois quarts d'heure avant de faire la première dose. Donc, si là, on fait pareil, il sera déjà, du coup, presque 4h. Donc, voilà, je vais pas commencer les cours à 6h du soir, quoi. Donc sur ce, ben voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard. Des bisous. Ce que j'ai oublié de dire aussi par rapport à Cœur en mode on, c'est que du coup ça aborde la santé mentale au niveau de l'hypersensibilité. Et le fait que du coup Christopher ne se sente pas normal parce qu'il ressent tout trop fort en fait. Trop fort par rapport à ce qu'il pense pouvoir maîtriser. Et du coup je me retrouve énormément dans ce personnage. Je ne suis pas sûre à 100% d'être hypersensible, parce que par exemple, je ne me suis pas fait diagnostiquer ou quoi que ce soit. Mais j'ai tendance à également ressentir énormément tout ce qui m'entoure, en fait. Enfin, la douleur des gens que j'aime, le bonheur également des gens que j'aime. Je suis quelqu'un qui pleure assez facilement, on peut le dire. Donc voilà. Et du coup, je me sens énormément proche, en fait, de Christopher. Je comprends vraiment sa douleur, je pense. Mais je comprends également Neila et la colère, la douleur qu'elle peut ressentir. J'ai été un petit peu des deux côtés, à vrai dire. Et du coup, je pense que c'est pour ça également que je pense que ça va être un coup de cœur et que ce livre me est aussi poignant, en fait, pour moi. Je pense que c'est parce que Je me reconnais dans les deux personnages principaux, en fait, et ça rend les choses waouh, quoi. Ça rend les choses vraiment vraiment puissantes, et c'est pour ça, entre autres, que j'adore, quoi. Donc voilà, je voulais revenir sur ça et sur le fait que, en plus, gros bonus, hein, on est d'accord, il y a des qu'on appelle ça, des pas des quotes, mais des allusions à Harry Potter, comme ben là il arrive devant un bâtiment et il voit un arbre et il compare l'arbre au sol pleureur de Harry Potter, de Poudlard. Donc rien que pour ça, il faut aimer Cœur en mode on. Rien que pour les allusions à Harry Potter. Non, je rigole. Non, à côté il est vraiment super bien quand même. Donc je suis vraiment très très contente de le découvrir. Donc on se retrouve, on est toujours au vendredi 8 octobre, il est presque 5h de l'après-midi. Je vous retrouve du coup pour la deuxième fois parce que j'ai oublié de changer le micro sur mon Mac. Donc ça fait que le son était tout pourri, donc on rebelote. Du coup je vous ai pris ce matin, j'étais en train de lire Cœur en mode on, du coup en attendant ma sœur au médecin. J'aurais pas hyper avancé parce qu'en fait le médecin a eu beaucoup plus de... Enfin comment dire... En fait les... Ça s'est passé, on a beaucoup moins attendu que d'habitude. Donc du coup j'ai beaucoup moins lu que d'habitude également. Après c'est pas non plus super grave, hein, mais du coup voilà, j'ai pas énormément de choses de plus à vous dire. Je le lirai du coup sûrement ce soir. Du coup ensuite on est allé chercher ma commande Vinted, donc The Eye of the World, qui est le premier tome de The Wheel of Time de Robert Jordan. Que j'ai pris donc sur Vinted, je l'ai trouvé à 8€, je crois que c'était. Quelque chose comme ça, il est en relativement bon état. Bon, ça se voit qu'il a été lu, mais voilà, mais on voit que quelques petites taches. On voit que voilà, le trait, là, le dos est assez abîmé, mais tant que le texte est complet, moi, cela me va.
En plus, il y a eu une petite histoire parce que ce livre, je l'avais commandé à la base fin août, je crois, sur la Fnac. Sauf que tout compte fait, ils n'ont jamais pu me l'envoyer parce qu'il y a un problème avec le fournisseur. Tout compte fait, ils ont annulé ma commande. Du coup, c'est là que je l'ai pris du coup sur Vinted. Et en fait, arrivé du coup au magasin pour récupérer le colis, la fille, elle arrive et elle me dit que il n'y avait pas de colis à... Elle voyait bien en fait sur son fichier que oui, il y avait un colis à mon nom d'enregistré, mais elle ne le trouvait pas en fait dans les réserves. Et du coup, elle m'a demandé mon numéro et tout pour pouvoir me rappeler quand il le trouverait. Et on était encore sur le parking qu'elle m'a appelé en me disant oui, c'est bon, on l'a trouvé, vous pouvez revenir. Donc heureusement, du coup, j'ai pu y retourner tout de suite pour le prendre. Du coup, je l'ai enfin, ça fait que j'ai toute la collection. Vous les voyez ici, là. C'est la petite collection de Wheel of Time en anglais. Donc je suis trop 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 contente. J'ai enfin pouvoir commencer cette série dont Michaela en dit tant de bien. J'avais déjà lu en plus le premier tome il y a un an et demi ou deux peut-être. J'avais bien aimé. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas continué. Je pense que c'est parce que c'est un petit peu long à lire. Mais là je suis motivée. Je ne vais pas le commencer tout de suite. Mais je suis contente de les avoir pour pouvoir enfin m'y mettre. Ensuite, nous sommes allés à la pharmacie pour chercher du coup les médicaments de ma sœur. Et du coup, ça fait que vu qu'on n'a pas hyper attendu au médecin, ça fait qu'on avait une heure d'avance pour notre rendez-vous pour le vaccin. Donc, on a dû partir un petit peu... en balade, là, on s'est baladé dans la ville et on en a profité du coup pour aller voir un petit tabac presse qui est pas très loin de la pharmacie, chez qui on ne va pas très très souvent. Et du coup, là-bas, j'ai trouvé Amary et le Bureau des Affaires Surnaturelles, donc le livre que je lis tout de suite en ce moment, Amary and the Night Brothers. Donc moi je le lis en anglais sur ma liseuse, mais je suis très contente de l'avoir en français parce que je pense que ça peut être une très très bonne lecture étant donné que j'ai beaucoup beaucoup aimé déjà ce premier chapitre. Donc il me tarde de lire la suite. Je pense que d'ailleurs je vais la continuer en anglais vu que c'est accessible, comme ça me permettra d'améliorer mon anglais. Mais je suis très 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 contente. Il est vraiment trop beau en plus. Ensuite, j'ai également pris Le Bal des Folles, donc de Victoria Mas, à la maison d'édition Le Livre de Poche. De souvenir, c'est juste... je ne sais plus exactement ce que c'est, mais je sais que c'est un rapport, c'est un roman un petit peu féministe, dans lequel on aborde la vision des hommes sur les femmes, en partie celle qui, du coup, était enfermée à la Salpêtrière, à Paris. Pour toute excuse, hein, autant qu'elle soit vraiment atteinte d'un mal psychologique, mais certaines n'étaient pas du tout folles, elles étaient juste assez courageuses en fait pour ouvrir leur bouche et donner leur avis, et du coup ça les a, leur mari ou leur frère ou etc. les mettait en, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros il les amenait à l'asile pour les calmer. Donc je pense que ça peut être un roman très très fort, j'en ai entendu énormément de bien, donc du coup il me tardait de le découvrir par moi-même, surtout qu'il est assez court, donc je pense qu'il se lira assez facilement. Il fait même pas 300 pages, je crois 200 ou ouais, 230, donc il devrait se lire assez rapidement. Ensuite j'ai pris L'Île du Crâne, c'est clairement juste côté nostalgique qui a popé là. C'est un livre que je lisais énormément quand j'étais petite, je l'ai lu plusieurs fois, je l'ai emprunté plusieurs fois au CDI. Donc L'Île du Crâne de Anthony Horowitz à la maison d'édition Le Livre de Poche. Au CDI de mon collège, c'était pas cette maison d'édition là, en tout cas c'était pas cette couverture. Mais il me tarde de redécouvrir cette histoire dont j'ai absolument tout oublié. Mais je suis sûre que ça va être trop bien en fait de juste redécouvrir quelque chose que j'avais beaucoup aimé quand j'étais petite. Même si voilà, je pense que ça devrait pas voler très très haut. Enfin voilà, c'était une lecture de quand j'étais en 6e je crois. Donc voilà, mais c'est juste pour le côté nostalgique. Je voulais la voir à la maison. Puis alors quand je l'ai vue là-bas, ben, j'ai craqué. Et du coup, vu qu'on avait pris ça, le vendeur en fait du tabac presse nous a dit qu'on avait le droit à une petite nouvelle. Qui était offerte du coup avec la collection. C'est la nouvelle L'évasion d'Arsène Lupin.
de Maurice Leblanc. Donc écoutez, je n'ai jamais lu Arsène Lupin, je n'ai jamais été particulièrement intéressée par ce personnage, mais écoutez, ce serait un moyen de le découvrir. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve, donc je suis assez contente. Ensuite, on est allé à Action. Oui, à Action, on a pris des trucs, voilà, entre autres le... L'ordi, par exemple, mon Mac est sur un rehausseur, en fait, pour qu'il puisse mieux respirer, par exemple. On a pris également des trucs pour tenir mes boucles d'oreilles, au lieu qu'elles soient dans des boîtes. Mais on a également pris, du coup, des trucs pour Noël. Et entre autres, ce petit truc en bois tout simple, mais qui est trop trop beau, avec ce petit sapin de Noël. Moi, j'adore. Dans la bibliothèque, ça va être du meilleur effet. On a également pris... Enfin... Pour moi, un petit lutin comme ça qui est trop mignon, qui n'a pas de nonneuil. Et il est trop mignon avec son petit chapeau. Et je le trouve trop trop mignon. Il est un petit peu lourd, mais dans la bibliothèque, pareil, je pense que ça va être trop mignon. Sachant que ma sœur, elle, s'est pris, qui est encore plus lourd, ce petit renne qui louche. Il est trop chou avec sa petite écharpe et tout. Il est vraiment trop, trop, trop choupilou. Ensuite, nous sommes allés à Noz, qui était juste à côté. Parce que ma sœur, en fait, a vu un enfant sortir avec des... Enfin, un enfant adolescent sortir avec des trucs Poudlard. Et du coup, elle voulait absolument savoir ce que c'était, ces trucs Poudlard, pour éventuellement nous les prendre à nous aussi. Tout compte fait, c'était que des gâteaux. Mais on a quand même trouvé des petits magazines pour l'aquarelle à seulement quelques centimes. Donc je suis très très contente de pouvoir découvrir ce petit truc qui va bien m'aider à dessiner, je pense, et entre autres à colorer. Donc il y a l'initiation à l'aquarelle, il y a les bases de l'aquarelle. On a pris également le spécial fleurs, le spécial paysage de France, l'aquarelle facile, mais spécial monde féerique et l'aquarelle facile spécial paysage marin parce que je trouve ça trop beau le paysage marin. Puis étant donné que j'ai des origines bretonnes, je pense que ça peut être plutôt pas mal. Et du coup, arrivé à la maison, il y a des commandes qui étaient arrivées, des commandes que j'ai passées il y a quelques jours à la FNAC. Donc la première, du coup, était accompagnée d'une petite illustration comme ceci, qui est plutôt jolie. Et du coup, ma commande contenait l'Anti-Magicien, le tome 3. J'ai seulement lu le tome 1 pour le moment. C'est de Sébastien de Castel à la maison d'édition Pulp Fiction. Donc, il faut que je lise le tome 2 qui est juste à côté. Là. Il est ici même. Les couvertures sont vraiment trop belles en plus. Donc, le tome 3. Le tome 1... Est-ce qu'il est à côté? Ah oui, il est là. Le tome 1, c'est celui-ci. Il faut que je le vende pour reprendre le petit tome, enfin le petit format comme ceci. Et dans ce monde-là, en fait, on est dans un univers où la magie est très très importante, où en fait, arrivé à un certain âge, on doit faire une sorte de tournoi de magie pour montrer en fait ce qu'on est capable de faire. Et Kellen, donc le personnage qu'on suit, est dans une grande famille, une famille assez puissante dans son univers, en fait, dans son monde, dans son village, sa ville, etc., dans son royaume. Sauf que le problème, en fait, c'est qu'il n'a pas de pouvoir, Kellen, il n'y arrive pas. Et il ne sait pas trop pourquoi, il se sent du coup hyper frustré, etc. Et on le découvre à ce moment-là, peu de temps avant l'examen. Et c'était vraiment trop trop bien, c'était un gros coup de cœur ce premier tome, donc il me tarde de le relire pour pouvoir lire du coup le tome 2 et le tome 3. Et j'ai également reçu Karn de Julia Richard à la maison d'édition HSN. C'est une histoire de zombies, voilà. Je crois que de souvenir, parce que c'est Vibration Littéraire qui en avait parlé sur sa chaîne de façon très très positive. Et elle disait que voilà, c'était une histoire de zombies, je crois qu'on est dans la tête du zombie. Et du coup, voilà, ça donne envie de... Enfin, il a envie, en fait, de manger voilà, des humains, très gentiment. Et j'ai pas spécialement envie d'en savoir plus. Juste savoir que c'est une histoire de zombie, déjà, ça m'intéresse et ça m'interpelle. Donc, je suis vraiment très, très contente de le découvrir. En plus, les entêtes de chapitres sont plutôt jolies, voilà, elles sont comme ça. Et j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc, moins 6, chapitre moins 6.
Chapitre moins 4. C'est... Il me tarde trop de... Ah oui, c'est vrai qu'elle avait dit aussi que les chapitres partaient dans un peu tous les sens. Genre, un petit peu plus loin, j'ai vu le chapitre 3.31. Et là, je vois le chapitre 404. Je vois qu'un petit peu plus loin, il y a aussi le chapitre 404. Je pense qu'il va être super bien. Donc, il me tarde. En plus, voilà, c'est ragoûtant, hein, les petites oreilles, là. Mmh. Du coup, ben voilà pour aujourd'hui. Je vous retrouve, du coup, un petit peu plus tard pour ben, sûrement vous parler de cœur en mode on. Oui, on. De Asier Amanzu. Et peut-être également de Amari, du coup. Sur ce, des bisous. Coucou, alors on se retrouve, on est dimanche 10 octobre, il est 20h06 exactement. Je vous retrouve du coup les cheveux mouillés, je sors juste de la douche. Je voulais vous reprendre hier, parce que normalement je fais le montage le samedi, mais en fait hier je n'ai absolument pas pu ni faire le tournage, ni faire le montage, ni rien du tout. Parce que du coup, comme je vous l'avais dit, je crois, vendredi on a fait le vaccin, la deuxième dose du vaccin contre le Covid, et en fait ça nous a rétamés. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, on a été rétamés. Vendredi soir ça allait à peu près, je commençais un petit peu à avoir mal au bras, mais ça allait à peu près. Mais alors samedi matin, ça a été horrible. J'avais un poids sur la poitrine qui m'empêchait de respirer un petit peu, étant donné que je pense que c'est en partie parce que je suis asthmatique, donc voilà, ça agissait clairement sur mes poumons. Donc du coup j'ai essayé, vu que la seule position dans laquelle je n'avais pas ce poids et qui en fait dans laquelle j'arrivais à respirer, c'était couché. Donc du coup j'ai essayé de repartir me coucher alors que je venais à peine de me lever. Genre j'ai pris mon traitement contre l'asthme et je suis repartie me coucher en espérant respirer. Et en fait je me suis rendormie sans même m'en rendre compte. Je me suis rendormie pour 2 heures à peu près, je crois. Quand je me suis réveillée, j'avais encore du mal à respirer. Ça allait un petit peu mieux, mais j'avais encore du mal à respirer. Donc, j'ai juste pris un café, je crois. Et ma sœur, en fait, à ce moment-là, est partie dormir. Enfin, est partie faire une sieste. Et du coup, je me suis dit que, vu que la seule position dans laquelle j'arrivais à respirer, c'était coucher, que j'allais me coucher dans le lit. Pas me rendormir parce que je pensais pas que j'allais m'endormir et du coup j'allais pouvoir avancer dans ma lecture, sauf que j'ai lu genre 3 lignes et je me suis réendormie encore une fois et j'ai redormi 2 heures je crois à peu près. Donc voilà. J'ai passé la matinée clairement, même le début d'après-midi au lit, et après quand je me suis réveillée du coup au niveau de la respiration ça allait un petit peu mieux, mais j'avais quand même hyper mal à la tête et j'avais des courbatures un petit peu partout dans le corps, je me sentais hyper lourde en fait. Donc j'ai préféré ne pas faire grand chose de la journée, voilà, juste chiller avec ma sœur pour essayer de de non, on a pas mal à la tête, non, on a pas mal partout, non, on n'est pas... on va bien. Donc du coup, on a passé la journée, enfin l'après-midi du coup restante en fait à regarder des séries. Donc on a fini de regarder, comment ça s'appelle, la première saison de Lock and Key. On avait déjà regardé, mais voilà, on voulait la re-regarder parce qu'il y a la saison 2 qui va pas tarder à sortir, le 22 je crois. Donc il nous tarde trop du coup que ça arrive. Ensuite, une fois que ça c'est fini, on s'est dit que voilà, qu'on allait regarder un épisode d'une autre série qu'on allait tester. Sauf qu'en fait, on a regardé la saison en entière. Donc on s'est endormi du coup à 5h du matin, ce matin. Et c'est Squid Game qu'on a regardé. On a beaucoup aimé. Il y a juste les 3-4 premiers épisodes qui sont un petit peu longs à venir quand même. Le temps qu'ils posent, le scénario, la situation et tout ça, c'est vraiment assez long à trouver. Mais sinon, après, c'était plutôt cool. J'ai trouvé que le côté psychologique de cette histoire est vraiment super bien mené, parce qu'on se laisse mener en bateau, quoi. Et en fait, on comprend... Ce que je trouve hallucinant, c'est qu'on comprend pourquoi ils font ça, et malgré l'horreur que c'est, en fait. Et je trouve ça vraiment un beau tour de force.
D'autant plus que le personnage qu'on suit en principal, en fait, c'est un personnage très qui est vraiment comment dire, vraiment le cœur sur la main, en fait. Dès qu'il le peut, il aide les gens. Dès qu'il le peut, il est hyper généreux. Et je trouve ça hallucinant que une personne comme ça se retrouve, en fait, dans une situation dans laquelle il s'est retrouvé. Et malgré ça, eh bien ça paraissait tout à fait logique, en fait, dans cette histoire. Et je trouve ça vraiment un très très beau tour de force, parce que voilà, malgré les côtés vraiment très antagonistes de certains éléments, ben c'est très très probable, en fait. Et enfin, ça rend en tout cas les choses très très probables. Et du coup, j'ai beaucoup beaucoup aimé voilà, le côté psychologique de cette histoire. Du coup, ensuite, je voulais également revenir vers vous, parce que j'ai donc fini Cœur en mode on, donc vendredi soir je l'ai fini, et c'était vraiment trop 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 bien. Je m'attendais à énormément aimer, je m'attendais à voilà, c'est il y a absolument pas de qu'on appelle ça, de surprise dans le fait que j'aime, mais je m'attendais pas à aimer autant. C'est une histoire, mais d'une telle tendresse, d'une telle douceur, d'une telle sincérité que j'ai adoré. On est dans une atmosphère clairement de reconstruction morale d'un personnage. Et c'était vraiment trop bien. Vraiment trop trop bien. J'ai adoré. Je pense que la grosse force de ce roman, c'est la plume de Hajar Hammamzou, qui est hyper poétique, hyper pleine de sagesse, en fait. On peut clairement prendre certaines phrases qu'elle dit et les prendre en quote pour s'inspirer, en fait, dans la vie de tous les jours, pour garder l'espoir et tout ça. Elle a une sagesse dans sa plume qui est vraiment hallucinante, tout pour un premier tome. Après, moi je l'associe à l'islam parce que mon copain est donc musulman et il est aussi hyper sage comme ça. Et là, je l'ai ressenti également, donc pour ça je me dis peut-être que c'est dû à l'islam, et ça m'étonnerait pas parce que l'islam est une religion vraiment très très belle quand on regarde un petit peu plus ce qu'on peut en dire à côté. Et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup cette histoire. J'ai adoré les personnages. Autant Christopher, avec lequel on apprend, en fait, à prendre l'espoir. On apprend à se focusser sur le positif. On apprend à reprendre confiance en soi. On apprend à accepter le passé. Et en ça, je me suis énormément reconnue en lui. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il m'a énormément plu. En plus, il est hypersensible, donc ça, tout ce qu'il ressent est dupliqué, quoi. Et ça le rend, mais terriblement attachant. Rien que d'en parler, j'ai la voix qui grelotte et tout ça. Enfin, c'est Christopher est un personnage qui a énormément souffert dans sa vie et il a eu du mal à s'en sortir. Et au moment où c'était trop, en fait, au lieu de se tourner vers les personnes qu'il aime, ben en fait, il leur a tourné le dos, malheureusement. Et en fait, dans ce tome-ci, il se rend compte de l'erreur qu'il a faite à ne pas se laisser, en fait, soutenir par les personnes qui l'aimaient. Et j'ai trouvé ça, mais tellement beau, mais vraiment. Et à côté, on a Neila qui, elle, a souffert de l'absence d'un frère qui a pas compris, en fait, qui s'est senti abandonné, qui s'est senti vraiment abandonné par ce frère qu'elle pensait toujours avoir compris, et qui, en fait, ben, il y a quelque chose qui lui a échappé, et elle n'était pas prête, en fait, à dire au revoir à son frère, et du coup, elle était très très en colère dans ce tome-ci. Et je me suis également retrouvée, du coup, dans ce personnage-là, et elle est d'une force assez hallucinante, et pareil, d'une sagesse et d'un optimisme assez hallucinant. Et j'ai vraiment adoré les deux personnages. Je trouve que ils sont hyper différents, mais vraiment complémentaires, et c'est un duo qu'on a très très envie de suivre, en fait. Donc j'ai adoré les suivre. Cette ambiance de reconstruction est absolument menée avec brio. Le seul petit bémol que je dirais, c'est peut-être que c'était un petit peu rapide, dans le sens où ça se passe en seulement un jour. Alors, même si Christopher était OK pour ça, je ne suis pas sûre qu'un jour suffise, en fait, pour réparer les dégâts qu'il a faits. Et pour réparer surtout lui, en fait,
les douleurs que lui il avait, mais c'était quand même très 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 joli. Et en fait, on se laisse tellement embarquer par l'écriture de Hajar Amanzu et par ces personnages hyper attachants et par l'atmosphère en fait, qui est super optimiste et super super entraînante mine de rien, parce qu'il se passe pas grand chose, mais on se laisse vraiment embarquer que j'ai adoré quoi. Je me suis retrouvée à la fin sans aucun problème quoi. C'est un réel plaisir d'avoir découvert cette plume et cette histoire. Ensuite, je devais lire, j'avais prévu hier de lire A Mary and the Night Brothers, enfin du moins d'avancer un petit peu, mais voilà, je n'ai pas pu, donc je n'ai rien de spécial de plus à vous dire, ce sera pour le vlog prochain, parce que j'ai avancé, je crois, de 3 pages, je n'ai pas pu plus lire que ça depuis vendredi, du coup, mais ce n'est que partie remise, je commencerai du coup, enfin je continuerai la semaine prochaine. Sur ce, ben je vous fais des petits bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Des bisous.